C'est au 24h du Mans 1978 que Jean-Pierre Jassot et Didier Pironi amenèrent cette Alpine A442B à la victoire. Donc, au 24h du Mans, bonjour et bienvenue dans TrackDay. Aujourd'hui, on se retrouve sur la piste française de Rouen-les-Essarts dans une version années 60, disponible depuis peu pour Assetto Corsa. Et nous retrouvons en piste aujourd'hui l'Alpine A422B en version troisième, la version B, hein, la troisième voiture ajoutée au line-up de base lors des 24 heures du Mans 77 et 78. Une voiture qui développe 500 chevaux pour un poids de 720 kg. Voiture très difficile à piloter et très impressionnante. En tout cas, je crois qu'elle est tirée de Project Cars. La conversion est plutôt jolie. Visuellement, il n'y a pas beaucoup de défauts, si ce n'est un petit détail qui m'a sauté aux yeux. Les noms des pilotes présents sur la bulle du côté gauche sont à l'envers. Donc c'est un petit détail qui dérangera certains. Mais hormis cette erreur, je pense que tout a l'air d'être legit. Une autre différence aussi, comparée aux autres voitures alignées à l'époque, au 24 heures du Mans, c'est cette petite prise d'air présente sur les pontons, juste à l'arrière du train arrière. Je pensais qu'elle n'était pas présente à l'époque et j'ai fouillé un petit peu, j'ai vu différentes photos, donc je ne sais plus si finalement elle était présente. Au niveau du bruit, c'est très agréable. Au niveau du comportement, c'est assez particulier. Une voiture qui, à basse vitesse, a beaucoup de sous-virages, mais dès que vous mettez un coup d'accélérateur, eh bien le train arrière glisse. Donc c'est assez difficile à piloter. Vous allez voir d'ailleurs quelques petites incartades contre le rail dans ce TrackDay. Voilà ce qu'il y avait à dire. Alors, une voiture dont on pourrait parler longtemps, avec notamment cette bulle qui avait fait beaucoup parler d'elle, réduisant la visibilité et étant un problème pour les pilotes en cas de pluie notamment. En tout cas, une voiture très agréable que vous pouvez gratuitement retrouver dans la description. Vous connaissez la tradition dans TrackDay, les amis. Profitez et montez le son.